Quoi? Quoi? Je suis dans le boule depuis tout à l'heure. Hé hey. Non, mais je pense que ça me fait du bien en fait, parce qu'il doit croire au moment sur ses. Croyez sous ses... Quoi? Tu filmes? Super. Merci. Bonjour, Amélie, master lettres modernes. Il doit poire le... C'est ployer. Ça paraît plus français. Déploire ses ailes. Déployer ses ailes. Arrête de me mettre le doute. Vas-y, c'est bon. Je me mets sur le messager. Dans cette pause, nous filmons un petit match de tennis. Je vais poser mon Auguste derrière. Bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, on était au parc national de Zion. Zion. Ouais, Zion pour les bilingues. Donc, on a fait un peu de randonnée, pas énormément, mais en tout, on a dû marcher, je pense, 4 heures. Mmh, donc, c'est plutôt pas mal. On a vu des paysages de ouf. Des animaux sauvages de ouf. Ouais, on a approché des écureuils, on a vu des biches et tout. Des dindes. Des dindes, c'est vrai. C'était vraiment génial. Ouais. Et prochaine étape, Las Vegas. Vegas, baby. Allez, à plus. On a visité tout l'après-midi, on a vu pas mal de palaces qui étaient très réputés. Là, on se repose un petit peu et après, on va probablement aller jouer au casino et aller voir les fameuses fontaines musicales. On pense pas qu'on pourra filmer dans le casino pendant qu'on joue, mais en tout cas, on a filmé plein de choses et on vous les montrera tout de suite. Oui! Bisous! A plastic bag drifting through the wind, wanting to start again. Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens and no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you, 'cause there's a spark in you, you just gotta ignite the light and let it shine just on the night, like the 4th of July. 'Cause baby, you're a firework. Come on, show 'em what you're worth. Make 'em go as you shoot across the sky.
Salut. Petit débrief d'hier soir, parce qu'on était à Las Vegas encore. On a un peu joué aux machines à sous. On est parti avec 20$ chacun. Moi, j'ai tout perdu. Et Emily, elle a fini avec 20$ de plus. Donc, on est reparti avec 60$ sur les 40 qu'on avait commencé à miser. Donc, c'est génial. On peut la féliciter. Du coup, hier, on a fini notre soirée sur cette victoire écrasante. Et puis, ce matin, on a pris la voiture et on est parti en direction de la Death Valley. Voilà, et arrivé à la Death Valley, on a visité la ville fantôme de Riolit et son petit musée des bizarreries qui était très très bizarre. Très très bizarre. Et ce soir, on se repose et demain, on a de longues heures de route qui nous attendent jusqu'au parc national de Yosemite. Oui. Donc, on se voit demain. Exactement. On vous fait de gros bisous. Crever cette fois-ci parce qu'on a quand même 6h47 qui nous reste encore, ouais, sur 8h30 on va dire, donc le plein est fait, les roues ont une pression optimale, voilà, optimale. Et alors la route est quand même dégueulasse, intéressante. Ah, ça a l'air beaucoup mieux. Coco, mais le bon côté sec, méga boycotté, vont péter vos quotas. They arrested me and they put me in jail. They called my pap and threw my bail. He said, son, you're gonna die when you're drinking if you don't stop driving that high. Ride. Donc numéro 1, Japon. Oui. T'es fière de toi? Est-ce que t'en as marre d'être con? Non. Prête. Coucou. Nous sommes actuellement au parc de Yosemite où il y a de la neige, comme vous pouvez le constater ici. Ah bah c'est super. On n'a rien d'autre à dire et vous verrez les images. Il fait très froid. Il fait froid et on vous embrasse très très fort. Bisous bisous. C'est pareil. Mais ils sont où les ours? Hello. 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 Reviens. Ha ha ha.
fait.